j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Yacine. Yo. Les gars, aujourd'hui je vais essayer de faire mon premier ramadan. Ça va être vraiment une dinguerie. Déjà là, t'as jamais fait le jeûne de ta vie? Bah si, j'ai déjà fait, mais... Vite, je l'ai cramé, regardez. Ah Myriam, t'es trop fort. C'est trop dur le ramadan? C'est dur, hein? Parce que toi, t'es trop petite pour le faire. Non, vas-y, mange. Tu manges quoi? Fais voir. Un petit pain au chocolat, au calme. Avec... Donne-moi tout le paquet, tu vas pas tout manger quand même. Non. Donne-moi le paquet. Elle m'a tué, franchement. Là, je vais réessayer de le refaire toute la journée cette fois, parce que la dernière fois, j'avais pas tenu. Ah, donc t'as jamais tenu une journée de jeûne de toute ta vie entière? Ouais, jamais. Là, tu vas essayer de le faire? Ouais. Oh, ça va être une dinguerie. Tu penses que ça va être facile ou pas? Bah, en vrai, je pense que ça va être facile, puisque genre, c'est tôt le Maghreb. Genre, il est pas comme si c'était à 21h et toujours. Je l'avais déjà fait, il était à 21h, mais j'avais craqué à 18h. Ok, bah, je vais te réveiller à 5h du matin et on va passer la journée ensemble. C'est parti. Mais même, il est 5h du matin, il faut manger. C'est l'heure de manger. Si tu veux tenir, t'es obligé de manger. T'es en plein rêve, non? Et le temps, il reste 25 minutes. Hein. Ah, c'est ça qu'on veut, les jeunes. C'est rien, après, tu vas dormir le matin. Et là, le repas de 5h du matin, il est grave important. Allez, viens. Comment? Désolé, boss. Cette jambe a fermé la porte. Il va se lever dans 5 minutes, lui. C'était nécessaire, la couverture? Okay. Bah, bon appétit, hein. Moi je te dis mange, hein, parce que si tu manges pas, t'es KO. En tout cas, son repas, les gars, elle a fait des œufs, un pitch et des bonbons. Tu vas tenir 25 minutes avec ça. Tu veux de la sauce? Mais là, moi, regardez mon repas. Moi, j'ai un table en train de dormir. Tu penses que tu vas réussir aujourd'hui? Vous mangez pas à 5h du matin, ça va être dur de tenir. Hein. Un peu de mayonnaise, y a pas un peu de gazouze, un peu de boisson, y'a que de l'eau. Je te conseille de boire vraiment beaucoup d'eau et de dormir grasse matinée, genre jusqu'à au moins 10h30, 11h. 11h53 du matin. Oh, regardez ce qu'elle est en train de faire. Alors, ça se passe comment pour l'instant? C'est facile de fou. Ah ouais, c'est facile de fou? Ouais. Tu faisais pas cette tête à 5h du matin. T'as mangé quoi? T'as mangé 2 œufs et quelques amandes. Tu vas voir, vas-y, à 14-15h, je reviens te voir, tu vas craquer. Eh, hey, tu sais qu'est-ce que fait ma maman? Ouais. On fait des, comment ça s'appelle? Des crêpes farcies au poulet. Mais il est que 11h! Comme ça, on va faire pour le tour. Vu que Myriam fait son premier jour de ramadan, je décidais avec Yacine de lui faire un giga gâteau au chocolat et de lui offrir un cadeau s'il est réussi. Ouais, j'avoue, c'est une bête idée, elle va être trop contente. On va commencer par le sucre. Venez, ça c'est la combine. 6 euros. 6 euros ça. Il y a zéro sucre, c'est un glitch. Et le sucre vrai normal, sucre, il coûte combien? Il coûte 2 euros le vrai sucre. Oh là là. En fait, tout ce qui est bon pour la santé, ça coûte cher. On choisit quoi, la santé ou l'argent? La santé. J'y connais vraiment rien. Les mamans qui regardent la vidéo, vous devez dire que je suis un fou. Je vais prendre, il y a marqué gâteau. Normalement, c'est farine de blé pour les gâteaux. Ouais, c'est carré. C'est carré. Ok, parfait, on va aller chercher du chocolat aussi. Alors là, j'avais une idée. En haut du gâteau, on va mettre de la chantilly et soit des Kit Kat ou des trucs bien. Aide-moi à choisir. Au-dessus, on met quoi au-dessus? Elle a kiffé les chocobons. On met ça au-dessus du gâteau, mais ça va pas être écœurant. Ou alors t'es Kinder comme ça. On peut pas mettre ça au-dessus d'un gâteau, genre. Si, ils font ça dans les cookies, les gens. C'est dégueulasse. C'est la ramadan qui part, je suis en train de devenir fou. Avant-dernier ingrédient, les gars, on va mettre des petits chocolats comme ça. Mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Ah, genre, faut du chocolat dessert. Bah oui, prends du chocolat dessert au lait, frère. Ok, vas-y, c'est classé électrique. Ouais, électrique. Avec de la chantilly. Ouais, c'est ça, normalement. Impeccable. J'espère qu'elle va tenir le ramadan, comme ça on fait un vrai gâteau, on se met bien. Oula, mais qu'est-ce que t'as mis sur ta tête? Mets-moi à manger! Oui, tu vas manger bientôt, mais qu'est-ce que t'as mis sur ta tête? Il est 4h19 et j'ai décidé pour récompenser Myriam Lekhey, elle est toute blanche. On dirait la dame blanche, comment tu te ressens? Bah, en vrai, je suis KO, mais j'ai pas faim, genre. T'avais dit à 5h du matin qu'il fallait manger, ma petite, elle était là avec sa tête. Donc là, on va te faire un gâteau au chocolat. Vas-y. Il te reste 16, 17, 18, 19, 3 heures, tu vas tenir. On commence par mettre la farine, bro. On va faire un gâteau au chocolat pour Mimi. Comme ça, ce soir, on va se mettre bien au photo. Mais pourquoi toi, t'as autant d'énergie encore une fois? Mais parce que moi, j'ai mangé une bonne assiette. Ça doit être ça, ouais, il a dû boire de l'eau, c'est sûr. Moi, je fais le ramadan pour Dieu, je fais pas le ramadan pour les gens, t'inquiète pas. Tu mets de la compote. Oui, c'est mon autre soeur qui m'a donné la recette. Myriam, casse des œufs. T'as encore d'énergie pour casser des œufs? Ah oui, quand même. Ok, c'est carré. Casse des œufs où? Dans ta tête? Oh, Myriam, elle a pas de force. Et Myriam, comme ça, tu casses les entre eux, comme non, ça. Non, tu peux pas, ça existe pas, ça. On va ajouter du sucre. 5 euros. Vas-y. Encore. Stop. Ça, c'est légère, ça. Stop. Ensuite, on met les 200 grammes de chocolat. Vas-y, moi, je te dis, toi, tu mets. C'est du chocolat au lait. C'est du chocolat fondu qu'on a acheté. Te rappelles, Yacine, même tu m'as dit que. Ah ouais, c'est vrai. C'était le meilleur chocolat. Celle qui fait la cuisine pour les jeûneurs, elle a le droit de goûter sur le bout de sa langue. Mais pourquoi vous mettez pas du beurre d'amande? Bon, Myriam, tu dois touiller. Touille. Pas quand même un chef pâtissier, si? Voilà, c'est bon. Non, moi, j'en mets juste un peu. Regardez ça. Tu sais, elle m'a dit quoi, mon autre sœur? 200 grammes de beurre. Waouh. On est des mammouths. Je crois que c'est bon, maman, on a rien oublié. De l'eau, faut mettre de l'eau. Ah oui, la levure chimique! Elle est là devant. Il y a du sucre vanillé! Non, ça on met pas, il y a du sucre dedans. Ah, mais c'est pas
Non, mais tout ce qui est sucre, comme ça je peux manger le gâteau entier, t'as vu ça? En fait, t'as inventé une recette. Ouais, c'est ça. Vous vous demandez toujours pourquoi on mange beaucoup, pourquoi on est des gros. Moi, je mange pas beaucoup, arrête de mentir. Hein. Ouais, mais moi, on va dire moi. Toi, pas moi. Parce qu'on fait tellement de sport, les règles, ça donne faim. Ton corps, après, il est en mode j'ai la dalle en train de faire les triceps. Je sais pas si vous, pendant le ramadan, vous faites du sport. En tout cas, les gars, c'est grave important pour garder la forme. Au pire, vous faites ça le soir, le sport. Ok, bien joué. Super. Là, en fait, ce que je fais, c'est que à chaque fois que je fais du sport, je m'en rappelle sur YouTube. Comme ça, au moins, quand je fais du sport, au lieu d'écouter n'importe quoi, de la musique ou des trucs que je me fais dépêcher, et ben, je fais du sport et en même temps, je me fais des bonnes actions. C'est parce incroyable. Que je prends soin de mon corps, de un. Et de deux, j'écoute des rappels pour vraiment apprendre et. T'écoutes qui comme imam là pour ceux qui veulent découvrir, s'il y en a, ils connaissent pas du tout. En gros, moi, ce que je fais à chaque fois, je fais ça. Je vais sur YouTube à chaque fois, je tape Nader Abou Anas, je vais dans vidéo et là, j'ai toutes les dernières vidéos. Et à chaque fois que je fais du sport, bah, j'en clique sur une et je la mets. Là, tu regardais quoi? Je regardais le ramadan, un concentré de mérite et de bienfaits. En gros, il nous a dit qu'il. Ramadan, faut pas perdre son temps à faire des lives sur des choses qui servent à rien, à jouer à la PlayStation toute la journée et tout. C'est un mois très important où il faut le passer à lire le Coran, à essayer de faire des prières surrogatoires parce que c'est un mois où les bonnes actions elles sont multipliées de fou. On sait même pas par combien parce que c'est que Dieu qui sait et du coup il faut en profiter. Moi je vais vous raconter l'histoire du prophète Youssouf, du coup en français Joseph. Bah faut savoir que Youssouf il est né comme enfant d'une très belle beauté. Son père Yacoub il l'aimait bien, il l'aimait beaucoup et ses frères ils étaient un petit peu jaloux. Un jour ils vont voir leur père et ils demandent hey, papa est-ce qu'on peut prendre Youssouf dehors pour jouer? Et faut savoir que dans les montagnes il y avait des loups. Et après, ils disaient non, ils voulaient pas trop au début. Et après, il leur a dit, bon, allez-y, allez. Et après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à pousser Youssef dans le puits. Ils ont jeté Youssef dans un puits. Ils l'ont jeté dans un puits. Après, ils ont pris un bout de sa chemise, ils ont mis du faux sang et ils l'ont ramené à leur père. Et ils ont dit, hey, papa, regarde, Youssef s'est fait manger par les loups. Et après, son père, il pleurait. Il faut savoir qu'il y a des gens qui voyagent dans le désert et qu'ils ont très soif. Du coup, ils viennent dans ce puits. Et ils ont monté le puits et ils ont trouvé Youssef. Donc ils se sont dit on va aller le vendre au marché. Ça veut dire qu'après être jeté dans le puits, le pauvre il est pas mort déjà par un miracle de Dieu. Et en plus ils l'ont revendu au marché, ils vendaient des humains au marché. Ouais. Bah après il y a une famille de rois et reines qui l'ont recueilli. Après ils ont fait passer Youssouf ministre. Et après il y a sa famille qui vient le voir et qui lui dit ses frères. Et donc il les reconnaît lui mais ses frères il ne le reconnaît pas. Il demande est-ce qu'on peut avoir de l'eau à manger et tout. Après Youssouf il dit ramène-moi ta famille. Après sa famille elle vient et tout et après bah Youssouf il dit hey, c'est moi regardez et tout et son père il était trop content de le revoir et tout et il a pardonné malgré tout à ses frères. Il a pardonné malgré qu'ils l'ont jeté dans le puits, il a été vendu, il leur avait plein de trucs, il a été en prison. Donc la morale de cette histoire c'est que quoi qu'on vous fasse dans la vie même si c'est dur, il faut toujours pardonner. Lui il a pardonné à tous ses frères et il a pardonné à toute sa famille. Il reste 30 minutes et Myriam tient toujours. Je suis vraiment très fier de toi. Surtout les gars, regardez qu'avant, elle faisait le ramadan, elle était toute petite, elle n'arrivait pas. Et là, franchement, je te check. T'es à 20 minutes de réussir, je suis vraiment trop fier de toi. Et d'ailleurs, je t'ai fait un méga cadeau avec Yacine. C'est quoi? Déjà, le gâteau, il est bientôt prêt. Et t'auras un cadeau de malade mental. C'est quoi? Mais là, dis-nous la vérité. C'est comment, un ramadan? Comment tu te sens? Bah, en vrai, je me sens fatigué, mais je peux toujours sauter. On va commencer par mettre de la chantilly au-dessus. Secoue. Tu me laisses le faire? Vas-y, tiens, t'as l'honneur de le faire. Les amis, on va faire une recette, elle va être incroyable. Gâteau, chantilly, chocolat. Oh, tiens, fais-le, parce que moi, j'ai... secoue. Incroyable, les gars. Nous, on n'a pas besoin d'aller dans les restaurants. Et ensuite, pour finir, la touche secrète du chef, on met des chocobons comme ça un peu partout. Oh, le dessert de zinzin. T'as pas besoin d'aller chez Cédric. Oh, Younes, viens, on crée des pâtisseries, on les vend sur Internet. Vas-y. Celle-là, on la vendra à combien, Myriam? On la vend à 100 berries. Mais en vrai, en euros, combien on la vend celle-là? Celle-là, tu penses combien il faut la vendre? En vrai, non, 3 euros. Vu qu'elle adore le foot, vous voyez ce tapis-là, je l'ai acheté, ça coûte hyper cher. Et ça va l'entraîner à faire des gestes techniques pour faire des 1v1 tout ça. Donc je vais l'appeler et j'espère vraiment qu'elle va s'améliorer et devenir beaucoup plus forte. Myriam, viens voir. Oui. C'est quoi ça encore? Je te laisse découvrir. C'est un tapis gym. J'ai vu que toi t'aimais bien le foot. C'est quoi ça? T'inquiète mon pote, vas-y, ouf, t'inquiète. Mais par contre, attends, je vais te prévenir. Tu vas faire un peu de sport. Est-ce que tu penses pouvoir continuer ou ça va te fatiguer et tu préfères pas faire et tu préfères attendre ce soir? Oh, ok, j'ai compris. Ah, mais me dis pas dans une heure, j'ai faim. C'est pas encore l'heure. Sur le téléphone, vous avez vu, il y a plein de niveaux. On va lui mettre le niveau 1 débutant. Ça dure 1 minute 30. Allez, passe-moi de jambe. Ok, bien joué. Et accélère, commence à accélérer. Regarde, non, en fait, ça donne comme ça. Regarde, je t'explique. J'ai pas la chaussette antidérapante, j'ai peur de tomber. Ça doit être comme ça, tu vois, rapide. Tu vois, ça doit être rapide, fluide. Tac, tac. Allez, Myriam, allez. Il me fait doucement sur la photo. Ouais, mais nous, on est en mode rapide.
Voilà, super, tu peux passer au niveau 2. Le premier tour de Myriam, on a préparé une table incroyable. Donc regardez, on commence directement avec un coin frites plus poulet juste ici. Ensuite, on a le dessert qu'on vient de faire, la chocobon chantilly et gâteau au chocolat. On a des crêpes, attention, c'est des crêpes salées les amis, c'est pas des crêpes sucrées, donc il y a du salé dedans, ça va être incroyable. On a des croissants salés aussi juste ici. On a du gouez. Juste là, on a des... Ça, c'est quoi ça des... Merkouya, merkouya. On a merkouya. Du falfel. Ah, okay. On a du falfel ici. Des dattes. Et pour finir... Il n'y a pas de gazouze. Un peu de gazouze. Attends, je vais chercher le gazouze. Voilà, un peu de gazouze. Un peu de on est à une minute, Myriam. Ouais. Une minute de casser ton jeûne. Tu te sens comment? Bah là, j'ai vraiment la dalle. T'as vraiment la dalle, là. 3, 2, 1... Oh là là. Attends, Younes, qu'est-ce qu'il faut faire avant de manger et de boire? Bismillah. On va faire une 2A. Ah, waouh, incroyable les gars. Alors ton avis sur cette eau? Quoi? Ton avis sur cette eau? C'est la meilleure eau au monde. La soif est dissipée, les veines sont abreuvées et la récompense est auprès d'Allah, Inch'Allah. On peut dire que vous étiez tous témoins quand Myriam a fait le jeûne pour la première fois de sa vie. Ça va être une masterclass quand on va regarder la vidéo dans quelques années, Inch'Allah. Ça va être trop stylé. Donc Myriam, félicitations. Tu peux manger, fais-toi plaisir. Moi les gars, c'est la diète. Voilà, elle a tapé ça. Oh là là, moi je commence par des légumes. Mais toi, t'es malade, toi. Toute la journée, tu manges pas et tu remanges de l'herbe. C'est pas de l'herbe, je me laisse la place pour le gâteau. Ah bien. Elle a même plus la force de dire son avis. Est-ce que c'est bon alors les crêpes salées? Parce que ça, j'en prends dans les fast-food. Il y a du thon. On peut la fourrer à n'importe quoi, mais franchement, celle-là, pour le coup, c'est un banger. De toute façon, je te dis, quand tu jeûnes, tout ce que tu vas manger. Le goût, il est multiplié par 4. Le goût, il est multiplié. C'est un glitch. Moi, même les haricots verts, on dirait, je mange des frites. Ouais, c'est des frites, c'est la même chose. C'est des... Franchement, le croissant, moi, au début, je croyais que c'était des pommes de terre, mais c'est du poulet, regardez. Ça, c'est ma mère qui l'a fait, pour le coup, c'est vraiment bon. Normalement, un croissant, c'est censé être sucré. C'est au beurre. C'est au chocolat, mais bon, là, c'est salé, et puis ça, on respecte pas. Et là, je vous dis, elle va manger pendant 20 minutes. C'est ça qu'on voulait voir. Est-ce que le gâteau qu'on lui a fait, c'est une récompense ou alors c'est une punition? Parce que moi, je suis pas très fort en gâteau. En plus, t'as pas mis de sucre. Ouais, c'est ça. Oh là, il a bouché, parfait. La chantilly, le chocobon. Par contre, si je dis que c'est pas bon, t'inquiète, je vais pas m'énerver, c'est pas grave. Je suis pas très fort en gâteau, j'approche encore en train d'apprendre. Je te jure que c'est vraiment un banger. Un banger? Bah oui. Avant, genre, c'est ça, j'en avais envie de faire grave. Ah, c'est une dinguerie. Oh. Ah, là, je suis bien. Tu sens comment, du coup, maintenant, premier jour de ramadan, elle vient de manger, t'es comment, là? Eh, les gars, vous pouvez pas imaginer c'est quoi la sensation dès que tu viens de finir de manger. Ah ouais? Oh, là, là. Au début de la journée, genre, c'était comme si que je mangeais. Vers la fin de la journée, genre, après, ça commence à un petit peu être dur, mais genre, vers le milieu de la journée aussi, genre, j'étais un petit peu KO. Ok, bah, en tout cas, on t'a préparé avec Younes une surprise. Étant donné que t'as fait ton premier jour de jeûne, tadam, cadeau pour toi. C'est quoi? Tu vas pouvoir l'ouvrir. À ton avis, tu penses que c'est quoi? Je sais pas du tout. Ok. Tu vas ouvrir? Aïe, tu m'as craqué les doigts. Désolé. Voilà. Hey, toute l'année, elle me saoule avec son high-tech. Je veux un high-tech. Et ouais, maintenant, mon rey, découvre. Elle a son high-tech, les amis. Hey, peut-être ça me va. Hein. Vas-y, toi. Félicitations pour la récompenser de son jeûne, on lui a acheté un cadeau. High-tech, est-ce que tu veux l'essayer? Bah oui. Vas-y, va l'essayer. Voilà comment il rend son high-tech. Tu te sens comment, là? Un petit peu serré. Il est un petit peu serré. Donc, hey, ça, c'est trop le problème de quand je commande sur Internet, en fait. Toujours... La taille, c'est pas la bonne taille, tu vois. Donc en vrai, il faudra une taille au-dessus, mais on va essayer de changer, on va essayer de changer pour prendre une taille au-dessus. En tout cas, il est grave beau, je te dis la vérité, félicitations. Merci. En tout cas, la famille, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes pour Myriam. C'est vrai qu'elle a fait son premier jour de jeûne. Et bombarder la barre des likes, c'est important, la famille. Nous, on va vous laisser là. Ciao.